Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième capsule de ma fanfiction sur Itachi. La troisième est probablement la dernière parce que ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de personnes, malheureusement. J'aurais aimé que ça intéresse plus de gens. Faut croire que les gens pensent que ma fanfiction, c'est juste l'opération puis le fait que ça soit ouvrir, mais non, je ne suis pas sadique à ce point-là. Il y a aussi le après. L'opération, c'est juste la première étape de sa nouvelle vie. Et l'opération, parce qu'il y a tout le après. Malheureusement, les gens n'ont pas dû penser ça. Ils ont dû me trouver trash en maudit. Ça n'a pas plu énormément. Donc, peut-être, ça va être la dernière. C'est déplorable parce que ça me donnait l'occasion de mettre ce cosplay-là que je mets vraiment pas souvent. J'ai mis une fois l'année passée pour l'Otakuton. Un après-midi, c'était vers 15h. Puis, après, c'est. En tout cas, cette journée-là, ça m'a mal passé. Je l'avais déjà dit. Donc, on retrouve Itachi après l'opération, donc au soin intensif avec le tube-là. Désolé si c'est un peu incohérent et un peu comme ça, là. J'essaie d'en parler assez rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Je peux pas tout mettre dans une seule vidéo parce que la vidéo va être extrêmement longue. La dernière fois, je suis assez surprise qu'elle fasse 14 minutes. Je pensais pas que j'avais parlé si longtemps pour la vidéo que j'ai faite la dernière. Ça m'étonne pas parce que j'ai parlé pendant quasiment 2h15. J'ai beaucoup coupé. Donc, désolé pour les incohérences s'il y en a. Je fais mon possible pour faire un montage de qualité et que mes idées suivent, parce que TDAH, vous comprenez, je l'ai déjà dit, mes idées se bousculent tout le temps. Puis des fois, je pense à un truc, puis après ça, je fais « Ah non, j'ai pas pensé à ça. » Oups! Bon, on va refaire ça, on va faire un montage avec. Ben, coudonc! Donc, on retrouve Itachi après l'opération, dans la salle de réveil, où ce qui va rester 1 heure. Il ouvre les yeux, il avait ce qu'il y a un voile noir parce qu'il dormait. Il se réveille, il était amoché, il fait « Je suis en vie. » Il était sûr de succomber à sa table d'opération. Il avait pas vraiment peur de ça. Il avait même averti Narumi justement que qu'est-ce qu'elle ferait s'il mourait à sa table d'opération. Fait qu'il était très pessimiste, mettons. Il savait qu'il était en bonne main, mais il était méga, méga stressé. Ce qui est normal en soi. Il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est encore en vie, puis mais pas longtemps après, il sent qu'il y a le tube dans la gorge. Il sait qu'il y a un tube dans la gorge, mais il est pas assez con pour tirer dessus. Il fait « Oh, génial, j'ai un tube dans la gorge. » Il fait ça, puis il se rendort. Il fait « Boum. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas tiré dessus. Il sait que ça lui ferait plus de tort que de bien. Itachi est assez rationnel quand même. Donc, après qu'il s'est réveillé, il est rendu en réanimation au soin intensif. Et entre son transfert en salle de réveil au soin intensif, il y a quelqu'un qui est venu voir Narumi, sa femme, pour avertir que l'opération s'est bien passée. Narumi n'éclate pas en larmes, mais presque, genre comme ça, elle est vraiment émue. Elle fait du merci, il va bien. Parce qu'elle s'est beaucoup inquiétée, c'était 4 heures d'opération quand même. Elle attendait nerveusement des nouvelles, puis elle en a enfin eu. Elle est vraiment contente qu'il va bien. Hideki, pour sa part, est toujours à l'académie, parce que c'est le matin, puis c'est un jour de semaine, fait qu'il est à l'école. Donc, à peu près 30 minutes, 45 minutes après, on l'autorise à aller le voir. Une infirmière l'escorte jusqu'au soin intensif quand elle le voit. Alors, Narumi est littéralement choquée, genre. Elle ne reconnaît pas son mari parce qu'il y a des fils partout, puis il y a des tubes partout, c'est normal, après une opération lourde de même. Elle dit « Oh, mon pauvre chéri! » C'est genre « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Mais elle sait. Elle prend l'initiative d'enlever sa bonnette d'opération parce qu'elle peine à le reconnaître. Donc elle y va doucement, puis elle va lever sa tête doucement, comme ça, par en arrière. Mais doucement parce qu'elle ne veut pas justement déplacer le tube dans ses poumons parce que c'est dangereux. Elle va dire « Mais de toute façon, elle est infirmière, elle sait comment faire. » Elle en manipule d'autres patients, juste qu'elle ne manipule pas lui parce qu'il y a un code qui fait qu'ils ne peuvent pas soigner des membres de leur famille à Konoha, il me semble. C'est ce qui semble être dans Boruto parce que Sakura ne fait pas soigner Sarada. Elle a soigné Boruto puis quelqu'un d'autre qui soignait Sarada. Donc ça doit être ça. C'est sûrement pour éviter les parties prises, des affaires de même. Sauf que son entrefait, ça Sasuke arrive derrière, mais elle s'en est pas rendue compte. Elle ne savait pas qu'il était là parce qu'elle a su juste au moment où il a parlé. Il va alors, comment il va? Tu m'as fait peur, Sasuke. Sasuke, genre, oh, pardon. Ça va, y a pas de mal. Il a fait une grosse peur. C'est assez comique. Elle a fait un méga saut. Après qu'elle s'est remise ses émotions, ça n'a pas été si long que ça. Attends, je vais regarder ce que ça donne. On dit ça ici, il mélange. Il est pas là. Ah, il est là. Alors, comment il va? C'est dur à dire, il n'a pas encore ouvert les yeux. Je vois. À un moment, une alarme se déclenche. Sasuke fait « Qu'est-ce qui se passe? » Non, mais il fait « Oh, Itachi! » C'est une alarme, ça y fait peur. Il leur a fait une belle frousse. Mais les alarmes, c'est normal, ça se déclenche un petit peu pour n'importe quoi.
C'est pour prévenir aux soins intensifs. C'est pas, c'est genre, il y a un paramètre qui change. Ça va se mettre à sonner, mais c'est pas dangereux. Il y a pas de mal pour lui. C'est juste qu'ils ont eu peur. Puis à cause des alarmes, ben, il y a une infirmière qui est arrivée pour éteindre les alarmes. Je tire les chemises. Elle passe, puis elle éteint l'alarme. Parce qu'elle repart. Ouf! Son arrivée, fait, tu as été très courageux, mon chéri. À partir de maintenant, tout ira mieux. Et là, c'est ça le mot, Itachi. Il esquisse un léger sourire. Ben, avec la bouche semi-ouverte parce qu'il peut pas fermer sa bouche à cause du tube. Puis il se met à serrer ses doigts. Il fait ça. Hein? Il a serré ma main. Ah, ça, c'est okay, genre. Bon retour parmi nous, grand frère. Oh, c'est cute. Donc, ils peuvent pas rester longtemps auprès de son chevet. C'est 15 minutes au soin intensif, il me semble. C'est vraiment pas longtemps. Parce que les gens sont malades. Il faut les laisser dormir. Le patient se termine assez tard dans l'après-midi. Fait qu'il se retrouve dans la salle d'attente. Sasuke et Narumi. Elle est assise à côté de lui. Elle se retourne vers lui. Et il est quelle heure? Imawa Nanji Deska. Sasuke dit, il est 16h. Narumi se rend compte qu'il quitte encore l'académie, que les cours viennent de terminer. Il quitte encore l'académie, quelqu'un doit aller chercher. Je vais y aller. Et le ramener ici. J'y vais. Attends! Est-ce vraiment une bonne idée qu'il le voie dans cet état? C'est justement quand il a chez son père. S'il veut devenir un ninja, il sera témoin de choses bien plus horribles. Narumi n'est pas consciente de ça parce que c'est pas une Kunoichi. Sasuke le sait. Parce qu'il a vécu la guerre, justement. Comme Itachi, mais beaucoup plus tard. Narumi fait sans doute, mais il sera choqué psychologiquement. Et alors, vu que quand elle a fait « Attends, elle a tiré sa cape pour le retenir », Sasuke lève le bras puis il enlève la main. « Tu es trop douce, Narumi. Tu ne pourras pas le protéger éternellement. » Alors ça, il lâche sa main. À tout à l'heure. Et il quitte l'hôpital pour, en direction de l'académie pour aller chercher Hideki. Il attend, la cloche sonne. Hideki se rend compte que Sasuke l'attend. « Sasuke, viens avec moi. » Il le prend par l'épaule comme ça. Il accote sa main dans son cou comme ça, puis il l'escorte vers l'hôpital. Il va le débarquer là. Il va l'escorter jusqu'au soin intensif parce que, vu que c'est un enfant de 8 ans, il n'a pas le droit d'être sans la supervision d'un adulte. Il va Narumi attend dans la salle d'attente. Il va aller l'escorter à Narumi, puis après ça, il va partir. Parce que c'est pas un chien, il va pas le laisser tout seul devant l'hôpital, puis se démerder quand même. Je sais bien que ça se quitte à bâtard, mais pas à ce point-là. Donc, il va l'escorter à Narumi, et après, ça en va. Faire ses petites affaires là. Donc pour la suite, dans ma BD beaucoup, j'ai fait le jour de l'opération, le lendemain, deux jours après, trois jours après. Deux jours après, ce qui est notable à savoir, c'est que ses élèves sont venus lui rendre visite. Ils savent pas vraiment la nature d'une personne, mais ils savent qu'il est hospitalisé, fait qu'ils vont le voir. C'est Shizase Megane, il a la lunette en dessous du nez, puis il y a des fils partout. Les fils sont dans ses vêtements, fait qu'il voit pas les fils, ni les tubes d'ailleurs. Les tubes qui sont reliés à une espèce de gros boîtier à terre. C'est les tubes des dents thoraciques. Pour filtrer ça, il y en a deux comme ça, c'est deux gros boîtiers. Comme ça. Les tubes sont genre gros de même, c'est assez gros là. Comme ça, mais je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Quand ils arrivent, ils se reposent. Fait sensei, c'est genre, c'est quoi ce grabuge? Ah, c'est vous les enfants. Salut. Est-ce que ça va, Sensei? Ouf, ça peut aller. Ça fait quand même mal, mais il dira pas. Il est quand même amoché du jour après. Là. Mais moins que le lendemain. Le lendemain, c'était horrible. Mais c'est les premiers jours les pires. Il y a un pyjama, puis il y a le pansement jusqu'en haut, là. C'est un long pansement comme ça, là. Comme ça. Là. Mais il le voyait pas parce qu'il y a le pyjama jusque-là. Il est fermé jusqu'en haut, le pyjama, fait qu'il le voyait pas. Puis il y a la couverture jusqu'au cou en plus, juste pour rien arranger, il voyait juste pas. Mais on voit que ça fait mal parce qu'il s'est tiré juste le bras pour pogner son verre d'eau puis il grogne. Ah! Il fait ça parce que ça lui fait mal. Parce que juste bouger, ça étire les muscles du thorax, fait que ça lui fait mal. Tout mouvement, il lui fait mal au début, c'est normal. Après ça, on se transporte au troisième jour, post-opératoire. Quand Shisui est venu lui rendre visite, Itachi est en train de faire sa toilette, il est en train de faire une toilette sèche, il est en train de se laver parce qu'il peut pas toucher au pansement, mais il peut laver tout autour avec une débarbouillette. Fait qu'il est en train de se laver. Quand Shisui arrive, il ferme vite son chou. Ah, il y a quelqu'un! Parce qu'il a cogné, il a cogné. Parce qu'il va chez Shisui, il fait « Shisui, qu'est-ce que tu fais ici? » Shisui lâche. « J'ai pas le droit de visiter un ami hospitalisé? » Non, c'est pas ça, mais j'aurais aimé que tu me vois pas dans cet état. Espèce d'orgueilleux. C'est normal qu'il ressemble à ça après une opération qui revient. Il est déjà censé être de même. C'est trois jours après, c'est quand même récent. Il aura plus mécanique que ça. Il est censé de s'en remettre si bien. Alors ça, je pense que j'ai fait 4-5 jours. Mais ça va être à refaire parce que j'avais fait des affaires que je vais refaire. J'avais 6 jours. J'ai presque fait tous les jours de sa convalescence jusqu'à 3 mois. Post-opératoire, quand il a eu son examen avec le cardiologue, avant d'autoriser l'émission, il a fait un dernier test, l'épreuve d'effort, mais
Ça, j'en parlerai éventuellement si ça vous intéresse. Donc, les premiers jours, puis on voit ces exercices à la maison avec le spiromètre. Donc, le seul exemple du spiromètre que j'ai, c'est celui de ma mère, que j'utilise pas pour l'instant. C'est ça qu'il utilise au début pour sa convalescence, c'est pour son souffle. Tu mets ta bouche dans l'embout, puis tu souffles, puis il faut que ça lève la bille, comme ça. Ici, tu fais ça comme ça. C'est genre ça. Désolé, j'ai pas mettre ma bouche là. Ça, ma mère n'utilise pas. C'est ça, le spiromètre. Il t'a chié avec ça les deux premières semaines de sa convalescence. Il y en a plusieurs modèles. Il y en a un autre que je connais, modèle. Oh, calme, attention. Il y a un autre modèle que je connais, mais c'est légèrement différent. Ça varie d'un hôpital à l'autre, je pense. Et d'un pays à l'autre, j'imagine. J'imagine que le Japon ne sont pas comme ça. Ça, c'est les modèles des hôpitaux québécois que ma mère a eu. Ben, on est au Québec, de toute façon. Et comme ça. Voilà. Ça, c'est pour le ramasser. Il est bon, je connais mes deux. Ça s'appelle Spiroball. Spiromètre, comme ça, ici. Je sais pas si on voit bien. Je pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un spiromètre classique. Itachi va l'utiliser comme ça pendant les deux semaines post-opératoires. En combinaison avec ses antidouleurs, parce qu'il est quand même pas insensible, ça, il fait quand même mal. Mais la douleur est quand même légère, sauf quand il tousse. Quand il tousse et qu'il éternue, là, il se nique à chaque fois. Il fait ça. Je la trouve tellement drôle. Il se fait mal quand il éternue. C'est pas drôle, mais en même temps, c'est drôle. Puis il faut aussi qu'il prenne un coussin comme ça, puis qu'il tousse comme ça, c'est pour retenir sa plaie. Il fait ça, puis ça lui fait mal. Il faut qu'il se lève comme ça, il faut qu'il fasse ça, mais il le fait pas tout le temps. Comme tout le monde, il respecte pas toujours. Bon, c'est pas nécessairement grave, mais c'est conseillé fortement de retenir comme ça, puis de se lever comme ça pour retenir le sternum, même s'il est attaché avec du fil de fer. Il faut qu'il fasse ça pendant les 6 premières semaines, ou du moins les 5 premières semaines, jusqu'à 6 semaines, parce que ça prend 6 semaines pour que le sternum soit consolidé. Donc voilà. Donc je garde le reste. Pour d'autres parties, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. À date, j'ai pas la preuve que ça vous intéresse, fait que je vais arrêter à la capsule 3 avant de trop vous ennuyer avec ça. Parce qu'il y en aura encore à dire. Comme je dis, les premiers jours opératoires, il y a les premiers mois aussi. Parce que j'ai fait un mois, non, mais j'ai fait 2 mois. J'ai fait au début, après ça, j'ai fait 2 mois, 3 mois post-opératoire, 4 mois, j'ai une intrigue, où ce qui fend du bois, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec cette intrigue-là. Puis il y a 5 mois post-opératoire, qui est quand Narumi va accoucher, parce qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille. Puis il se passe toutes sortes de péripéties avec Itachi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut son Sharingan, puis il va l'attaquer dans l'hôpital. Ça, c'est une autre affaire, c'est assez space aussi. Itachi va se bagarrer avec l'homme qui a un kunai, puis qui veut y avoir ça dans le cœur, il va être comme ça, par terre, ça va clic, 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 wow, wow! Parce qu'il se débat, c'est normal. Le cœur s'accélère quand tu te débats, fait que ça fait, la valve mécanique a fait ça aussi. Ça s'accélère, quand le cœur s'accélère, fait que c'est drôle, ça va faire clic, 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 quand il va se débattre à terre avec, ça va être comique. Ça, c'est une séquence inspirée d'un film d'Elvis Presley, que j'aime beaucoup, King Creole. Où ce qui, il se bat avec un gars de la rue, parce qu'il y avait genre une gang de rue dans le temps. Puis, vu qu'il a déserté, il voulait se venger. En tout cas, c'est ça autre chose. Danny a déserté parce qu'ils ont failli tuer son père. Ils ont magané le cerveau. Donc, faut que je raconte ça que Danny apprenne. Parce que j'ai fait une barre ici qui est en train de décoller. Merde, la colle chaude, ça tient pas là-dessus. Je sais pas s'il existe de la colle à caoutchouc, sûrement. Mais bref, je m'écarte un peu. Donc, il y a le test d'effort, il y a l'intrigue quand il perd connaissance 2 mois après l'opération parce que c'est arrivé random de même, il a perdu connaissance. Il s'est trop poussé probablement, vu qu'il est encore en convalescence, puis vu qu'il se sent tellement bien, il s'en est pas rendu compte qu'il avait trop poussé. C'est genre, il est tombé dans les pommes devant Konohamaru puis Udon. Fait, oups! Puis c'est Konohamaru qui l'a rattrapé parce qu'il était devant lui. Il a dit, est-ce que tu sentais bien? Bon, vraiment. Il tombe, puis lui, il fait un mouvement éclair en arrière, puis il fait, hop! Il a grippe comme ça. Wow! Il y a des bons réflexes, Konohamaru. Puis à un moment donné, ils ont appelé les ambulanciers parce qu'ils voulaient vérifier s'il était correct. Ils ont posé fil pour un électrocardiogramme pour vérifier, justement. Mais comme ils n'ont rien trouvé, ben ils sont partis. Fait, bon, c'est isopathique. Il n'y a aucune cause. On ne sait pas ce qui s'est passé. Puis contrairement à la dernière fois, 6 semaines post-opératoire, il avait été hospitalisé parce qu'il y avait des palpitations qui n'arrêtaient pas. C'était pas normal. À coup, ce qu'il a retrouvé sa mère, Mikoto, qui avait survécu. Puis ça l'avait choqué assez qu'il y ait eu des palpitations qui n'arrêtaient plus. Puis il a été transporté en ambulance, malgré lui, il n'a pas eu le choix. Mais c'est 8 ou 9 semaines après l'opération, une soixantaine de jours après l'opération. Il n'a pas été transporté cette fois parce qu'il n'y avait pas motif de le faire. Puis aussi qu'il refusait d'être transporté, il ne voulait pas. Puis tu as le droit de refuser le transport ambulancier. Fait, ah non, on ne met pas encore à l'hôpital. Il ne veut pas aller.
Une personne qui perd connaissance, c'est pas nécessaire d'amener à l'hôpital, c'est pas grave. Sauf si ça survient trop souvent, là, mais vu que c'est une fois, c'est pas grave. Donc, bref, c'est ça. J'attends dans les commentaires votre avis, à savoir si ça vous intéresserait d'avoir une partie 4. Dans tel cas, j'en ferai une. Sinon, ben, ça va rester par exemple à 3 parties. Ce qui serait dommage, mais bon, faut quand même aller avec l'intérêt de ma communauté. Si ça vous intéresse pas, ça sert à rien de continuer. Je vais continuer à dessiner quand même, c'est juste que vous ne les verrez pas, les dessins. Il m'a fait d'autres sortes de vidéos, il m'a fait des vidéos comme d'habitude, là. Avec mon cosplay de Toshi Akatsuki, etc. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être sur les mauvais commentaires que j'ai reçus en cosplay, parce qu'il y en aurait long à dire. Même si j'ai juste 2 ans de cosplay, j'en ai reçu beaucoup quand même. Pas en convention, parce que le monde sont trop chicken pour venir me le dire d'en face, ils mangeraient un coup de poing. Ben, pas pour un mauvais commentaire, mais si je me fais frapper, oui, là. J'ai beaucoup d'anecdotes de convention, ça pourrait faire une bonne vidéo aussi. J'ai quelques anecdotes de convention qui vaudraient la peine sûrement d'être racontées, ça dépend si ça vous intéresse. Dans ce cas, faites-moi savoir ici dans les commentaires. Je suis bien curieuse de savoir. Je sais que ma dernière vidéo était extrêmement longue, mais c'est un résumé de 4 épisodes. C'est beaucoup quand même, parce que la plupart des reviews, le monde, ils font genre 20 minutes de review pour un épisode. Moi, j'ai fait ça pour 4, puis j'ai résumé assez vite. Puis j'ai mis des répliques, puis de l'acting, puis tout. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste là, dans le coin de l'écran. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa, Janet.